Salut à tous et à toutes, c'est Andy Wheeler. Toute petite vidéo rapide, puisque certains me l'ont demandé. Alors, c'est vraiment un vlog à la con. C'est juste parce que beaucoup de gens m'ont demandé de faire un petit tour rapide de mon vélo. Donc, le voici. Pourquoi je fais un tour seulement rapide? Parce qu'il va y avoir plein de choses qui vont être ajoutées dessus très bientôt. Je donne un exemple, des prolongateurs, un nouveau compteur GPS, plein de trucs comme ça. Donc voilà, je voulais quand même faire une petite vidéo rapide pour montrer dans l'état dans lequel il est actuellement. C'est dans l'état dans lequel je l'ai acheté d'occasion. Je l'ai acheté 150 €, ce qui est un très bon prix. Et donc voilà, je vous montre un petit peu rapidement. Donc en gros, les roues, c'est des Mavic Cosmos, qui sont des roues qui coûtent assez cher, qui coûtaient assez cher, qui sont plus dans le commerce depuis des années et des années. C'est un vélo début des années 2000, et les jantes sont les mêmes. Donc les jantes sont des Sioc, enfin ce sont des Mavic, pardon, des Mavic Cosmos. Donc c'est de la bonne qualité, c'est plutôt léger, mais c'est un peu ancien. Pour ce qui est les changements de rapport, tout ça, je suis tout en si je dis pas de bêtises, c'est des Mavic du Race, si je dis pas de bêtises. Normalement, si je dis pas de bêtises, ça devrait être ça. En tout cas, c'est des Durarace, ça c'est sûr. Les plateaux, c'est des Campagnolo. Le grand plateau, c'est un 52, ce qui est un peu trop gros pour moi, beaucoup trop même. Je pense qu'un 50 serait déjà beaucoup plus agréable pour l'instant. La selle, c'est une selle Italia. Qui est en gel, donc qui est assez sympa pour moi parce qu'elle n'est pas trop dure, sachant que j'ai quand même un gros cul et qu'en plus en ce moment j'ai pas de peau de chamois, donc autant dire j'en ai besoin. Pour ce qui est du vélo en lui-même, j'en ai pas parlé, je vais vous le montrer un peu avec mon nom que j'ai commandé ça sur internet pour 5 €, je crois 5-6 €. Donc le vélo, c'est un Sioc Challenger qui est un vélo qui est plutôt sympa, qui est relativement léger, tout équipé. Il fait à peu près 9, il fait un peu moins de 9 kg, donc il est quand même assez léger. Encore une fois, pour l'âge qu'il a, c'est franchement un bon vélo. Après, au niveau du compteur, c'est un BBB, mais c'est un compteur filaire tout merdique. Je vais bientôt le changer contre un compteur GPS. Je vous en ferai une vidéo histoire que vous puissiez voir. Le casque, parce que le casque, il faut en parler aussi. Vous l'avez vu en vidéo, comme les lunettes, c'est un casque tout bête acheté sur AliExpress pour 15 balles. Et puis voilà, donc c'est un vélo semi-carbone. Donc ce qu'il y a en carbone, c'est la fourche. Et la tige de selle. Donc voilà, c'est un vélo qui est plutôt assez léger, qui est plutôt assez maniable. Niveau taille, il est bien, sachant que je suis quand même 1m80, 1m86. Il est plutôt sympa à rouler, je l'aime beaucoup. Et puis voilà. Donc voilà, vidéo pour l'instant très rapide, sachant que je suis en pleine sortie, je ne l'ai pas lavé avant. Donc voilà, j'en ferai une vidéo beaucoup plus sympa, beaucoup plus détaillée au moment où j'aurai changé pas mal de choses. Comme je vous l'ai dit, le compteur, il va y avoir des prolongateurs, il faut que je change la guidoline, parce que vous voyez la guidoline elle est toute dégueulasse, elle est tout en train de se barrer. Mais le seul problème, c'est que je ne l'ai pas encore reçu ma guidoline, donc il faut que j'attende encore un peu. Donc voilà, en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Salut à tous!